C'est King Mood, toujours OP, toujours dobé. Bon, je me suis un peu énervé sur la vidéo précédente, mais bon, quand je vois des putes pareilles, c'est normal. Des putes qui disent qu'ils vont aller porter plainte. J'ai jamais vu des merdes pareilles. J'ai jamais vu des grosses salopes pareilles. Alors que c'est même pas moi, mais bon, je pisse sur toi. Comme je t'ai dit, je te pisse dessus. Tu n'es qu'une grosse merde. Tu n'es qu'une grosse merde. Tu vois rien. Tu es obligé de prendre des sujets d'Alain Soral, du Harkil Moualek, de Dieudonné, pour faire tes vidéos, pour faire du buzz. Tu es obligé de marquer leur nom pour faire du buzz. Parce que ces gens ne calculent même pas, tu n'as pas de sujet. Moi, j'ai déjà regardé tes vidéos. Parce qu'avant de critiquer, comme tu dis, avant de parler de l'artiste, on regarde ce qu'il fait. Mais j'ai regardé ce que tu fais. C'est de la merde ce que tu fais. C'est de la merde. Tu n'as pas de sujet à toi. Tu racontes de la merde. Je peux pas écouter un idiot qui n'a pas de sujet, parle de quelque chose de bien, mais nous met pas du tu sais, tu regardes une vidéo de Dieudonné, puis tu nous expliques tout le contraire, ou tu nous expliques tout mal. Ferme ta gueule. Franchement, ferme ta gueule. T'es une merde, en fait. Comme je te l'ai dit, tu es une merde de junkie. Tu escroques tes abonnés. T'essayes de leur faire pitié. Oui, mais j'ai pas ça, j'ai pas de travail, mais j'ai. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Il y a des gens, ils ont pas de travail. Ils font pas comme toi. Ils se mettent pas sur Internet, ils essayent de trouver du boulot. Ils font pas la manche. Ils font pas la manche comme toi. Ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent, mais ils ne font pas pitié aux gens sur Internet pour leur demander de l'argent quand même. Pour leur demander de l'argent, pour aller se droguer et pour aller acheter des PC, grosse merde. Il y a des gens qui crèvent de faim. Dehors, sale merde, c'est ça que j'essaie d'expliquer aussi. Les gens dehors ils crèvent de faim, toi grosse merde, tu demandes de l'argent aux gens, c'est pas comme si tu demandes de l'argent, j'ai faim, j'ai. Tu demandes de l'argent pour t'acheter des ordinateurs ou je sais pas quoi pour faire de la merde, c'est pour te droguer en réalité déjà. C'est pour prendre de la drogue. Tu te shootes, tu te piques, moi tu peux regarder mes bras, il n'y a aucune picouze, il n'y a aucune trace de picouze, tu vois, il n'y a que de la bonne beurre, il n'y a que de la bonne beurre, tu vois ce que je veux dire, que du bon taché dans mon sang. Tu as bien compris, sale merde. Donc écoute-moi bien. Tes vidéos, c'est de la daube. C'est de la daube. Tu te piques avec l'argent de tes abonnés. Tu te shootes, tu fumes de la cam. C'est pas possible. Tu es un schlag. Tu es un schlag, ça se voit. Donc arrête, arrête tes vidéos de merde. Arrête, 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 arrête. Oh, surtout quand là, franchement, tu t'es ridiculisé tout seul. Franchement, avec ton histoire de plainte, c'est ridicule. C'est ridicule. Allez, il n'y a pas d'autre truc à dire. Tu es qu'un con, un imbécile. Un imbécile, tu sais même pas quoi dire, tu n'as pas de sujet, comme je t'ai dit, il y a des gens qui crèvent de faim. Toi, tu demandes pour un ordinateur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à remplir leur frigo jusqu'à la fin du mois. Tu demandes de l'argent et il y a des paillots qui t'envoient des 500 euros. C'est bien pour toi, mais tu escroques tes abonnés, tu es un arnaqueur, tu arnaques tes abonnés, tes vidéos, c'est de la merde. Qu'est-ce que toi, idiote, tu vas défendre Dieudonné. Qu'est-ce que toi, idiote, tu vas défendre Dieudonné alors qu'un petit imbécile comme toi, un petit imbécile comme toi qui va déjà porter plainte quand il y a un gamin qui lui sort un jouet. Parce que franchement, si je crois que c'est un fusil à billes, hein, je crois que c'est un fusil à billes. J'ai vu cette vidéo, franchement, je crois que c'est un fusil à billes qui te sort, hein, ou un fusil airsoft, mais je sais pas, mais c'est pas une vraie arme, hein. En tout cas, il n'y a rien qui prouve que c'est une vraie arme. Hein. Donc ta plainte va aller loin, ta plainte va aller vraiment loin, toi, idiote, hein, parce que j'ai bien regardé la vidéo. J'ai bien vu ta plainte, va aller loin, hein, idiote. Donc écoute-moi bien, je te pisse dessus, comme je t'ai dit. Je te pisse dessus, arrête d'utiliser mon nom. Moi, quand j'ai dit quelque chose sur toi, tu n'as pas bon, parce que j'ai dit la vérité sur toi. La vidéo, il y a quand même 1000 personnes qui l'ont vue. Tu vois, il y a une vidéo, il y a 900 personnes qui l'ont vue, tu vois. Il y a peut-être tes abonnés à ça, mais que tu es un mythomane. Tu vois que tu es un mythomane, j'ai expliqué que tu es un mythomane, tu racontais de la merde. Donc voilà, je suis quand même content que les gens ils voient ça. Il y a beaucoup de gens qui approuvent. Ils disent au début, ils te suivaient, et puis après ils ont vu que t'es un mythomane, tu racontais que de la merde, tu voulais escroquer tes abonnés. Et voilà. Plein de gens me disent, ils nous tapent la honte aux Algériens et tout, ils racontent que de la merde, type et tout. Écoute, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu racontes de la daube. Tu racontes de la daube, comme je t'ai dit. Tu n'as aucun sujet à toi. Tu es un imbécile. Tu es un imbécile. Tu racontes que de la merde. Va te laver les cheveux. Fais-toi une coupe. Fais-toi une coupe de cheveux, mets-toi une chemise, va dans des restaurants, demande s'ils engagent pour la plonge et ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est tout ce que j'ai à te dire. Parce que là, franchement, j'ai fait une vidéo où j'étais un peu énervé, je te parlais. Maintenant, je fais une vidéo calme, je te parle calmement. Tu fermes ta gueule.
tu retournes là à Aveleu, comme tu parles à Aveleu Avignon là, tu retournes faire Aveleu vidéo de merde et tu me casses pas les couilles. Tu me casses pas les bonbons. Tu vois ce que je veux dire? T'as osé demander de l'argent à tes abonnés? T'as osé demander de l'argent à tes abonnés pour faire un montage avec un ordinateur alors que tout simplement tu savais le faire avec ta tablette? Tu m'aurais tenu au téléphone, tu m'aurais tenu par coup de fil au téléphone, je t'aurais montré un programme où tu aurais pu le faire gratuitement. Donc tu le savais, je suis sûr que ça tu le savais. Mais quand j'ai dit ça, t'as pas eu bon, tu dis, il m'a démasqué et tout, et t'as commencé à dire, ouais non, je réponds pas à ces gens-là, blablabla. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Après tu dis quoi que moi je travaille avec la Doudou, cette salope, cette prostituée-là. Je travaille avec la prostituée, le père, le pédophile là, de Liège là. Je travaille avec celui-là. T'oses dire que je travaille avec ce type-là pour Amel Moalek? Pour ce Harkin Moalek? Je vais faire des vidéos sur lui. C'est déjà prévu, mais pour ce Harkin Moalek? Arrête! Arrête! Arrête, arrête, arrête. Faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes tes merdes là. Faut que t'arrêtes de nous raconter ta merde. Faut que t'arrêtes, franchement. Franchement, faut que t'arrêtes. Tu es une grosse merde. Voilà tout ce que j'ai à te dire. Tu es une grosse merde. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Arrête tes vidéos. Fais des bonnes vidéos. Je vais encore prouver que tu es un menteur maintenant. Je vais prouver que tu es un menteur. Je vais montrer les liens où est-ce qu'il faut télécharger pour avoir les programmes du PC. Tu sais faire ça avec une bête tour. Je vais montrer que tu as bien enculé tes abonnés. Bon, allez, sur ce, je te laisse, Harki. Et arrête de parler de moi. Surtout, arrête de dire que je travaille pour des PD là, qui n'est pas vrai, que je chie sur eux, que je chie sur eux. Tu es comme les clodos de Belgique. Tu sais, tu n'as pas beau que Dieudonné fait du buzz alors que tu essaies de gratter du buzz sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Parce que n'oublie pas que Dieudonné, il a rendu l'argent à ses abonnés. Pour tous les salopes là qui parlent, oui, il a demandé de l'argent, on a trouvé de l'argent chez lui. Mais hey, il a rendu l'argent, bande de salopes. Lui, il a demandé de l'argent à prêter quand les gens ils ont essayé de le baiser. Ils ont essayé de lui baiser son argent. Il a demandé de l'argent. Il a rendu. Il a fait ses gains, il a gagné son argent en faisant ses tournées et tout ça. Il a récupéré son argent. Il vous a mis dans le cul, c'est un homme d'affaires. Il vous a baisé. Ah, il vous a baisé, bande de victimes. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Et toi, Harki, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, victime. Ferme ta gueule, s'il te plaît. C'est tout. Suceur, pipeur, transsexuel, Harki, tfou, Zemlva, suceur.